La meilleure punchline de Donald Trump, attends, il y en a trop. Je l'ai noté. Si Ivanka n'était pas ma fille, je serais peut-être avec elle. 1, 2, 3, 4, GO! La meilleure punchline de Bonjour Tristesse, je sais pas, mais il y en a une qui me tient plus à cœur que d'autres. C'est la justice et du vent qui souffle sur les braises. Les jeunes crient nique la police, mais c'est bien elle qui nous baise. Voilà, justice pour Théo et Adama. Passons. Eh, c'est Kafka, on va pas déformer, hein. Il a l'air un peu connu, il a l'air d'avoir percé. Et il dit, l'amour, c'est que tu sois le couteau avec lequel je fouille en moi. Oh, papa, fin du game des punchlines sur l'amour. Voilà, fin. Le dimanche, on est beaucoup à avoir un rapport particulier au dimanche, et c'était Stendhal, je crois, qui avait écrit « Je ne comprends pas toujours à mon âge la prédisposition au malheur que me donne le dimanche. » Moi non plus, je la comprends pas. Enfin, la cuite est une piste, mais pas que. Fresh. La meilleure punchline citoyenne, pour moi, c'est celle de Coluche. Ce sont les métiers dits sales, genre éboueur ou égouttier, qui participent le plus à la propreté de notre société. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige, comme politique, financier ou haut responsable, qu'on trouve le plus d'ordures. Eh, pas mal, Michel. Go! Alors, ils ont zéro punchline, les juristes. Faut savoir qu'il y a rien qui fout plus le cafard qu'un juriste ou qu'un amphi de droit. Mais la meilleure punchline, c'est, je sais pas, le droit protège les ignorants, mais pas les imbéciles. Ça définit bien le droit. Alors, la meilleure punchline d'Alexandre Benalla, pour moi, hein, parce que sur un début de carrière, il a quand même des fulgurances, c'est « C'était un pistolet à eau ». Incroyable. Mais quel culot, quel panache. On adore ça. Alors, la meilleure punchline d'Emmanuel Macron, j'ai beaucoup hésité entre « Il n'y aura plus de SDF dans la rue au 1er janvier », mais le « qui vienne me chercher », avec sa posture virile, je la trouve pas mal non plus. Quand il y a tout le monde qui veut ta peau, d'assumer fort, de dire « qu'il vienne me chercher », je trouvais ça culotté. Alors, la meilleure punchline de Castaner, c'est aussi de la merde, mais c'est « les gens qui manifestent là où il peut y avoir de la casse savent qu'ils sont complices ». Oh putain, mais... un génie! Eh, un génie, Castaner! Voilà. Pour moi, la meilleure punchline d'Emmanuel Valls, qui du coup n'est qu'une mauvaise punchline, parce qu'il n'a que des mauvaises punchlines, mais c'est peut-être ouais, la pire phrase politique que j'ai entendue dans les 10 dernières années. Expliquer, c'est déjà commencer à excuser. Waouh, c'est comme annuler le pouvoir de l'intelligence que de dire ça. Sur Hillary Clinton, il avait dit « Elle ne sait pas satisfaire son mari, comment peut-elle satisfaire le pays ?» Pourquoi s'embêter à réfléchir dans notre époque, hein? Ça marche. Oh, yeah. C'est Michel Platini, c'est Platoche, quand il a dit à l'apogée de la carrière de Zidane ce que Zidane fait avec un ballon, Maradona il le faisait avec une orange. Eh bah toi tu le faisais avec ni l'un ni l'autre, hein, je te le dis tout de suite mon compagnon. C'est quand Tyler, il demande à l'autre, tu sais ce que c'est qu'un duvet? L'autre il dit ouais. Il dit, tu sais pourquoi tu sais ce que c'est qu'un duvet? L'autre il dit non. Parce qu'on est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Oh, pas mal. La meilleure punchline de Gad Elmaleh, écrire. Mais pourquoi faire? Voilà, simple.